Vous êtes plutôt déçu, plutôt satisfait de ce résultat? Je dirais un peu des deux à la fois parce que je pense qu'on a mis beaucoup d'énergie sur ce premier match. J'ai envie de dire que c'est plutôt encourageant. Maintenant, je pense que dans ce match, les deux équipes auraient pu marquer. Le fait de repartir avec le point du nul, je pense que c'est équitable, mais c'est encourageant pour la suite. Est-ce que cette énorme occasion de fin de match, c'est là où ça laisse le plus de regrets? Ou... Ouais, je pense que la dernière, notamment, je pense à vers la 88e. Je pense que je la voyais déjà au fond. Après, ça se joue à des détails si on est un peu plus juste, ouais, sur le dernier geste. Mais Guingamp a eu ses chances aussi en première mi-temps. Donc, comme je l'ai dit, ça se joue à des détails, mais dans l'ensemble, je pense que le nul est mérité pour les deux équipes. C'est un match plutôt agréable, je trouve. Est-ce que vous avez le sentiment que déjà collectivement et physiquement, le hack était pour une première journée plutôt bien? Oui, je pense que voilà, on a travaillé, on a vu le fruit de notre travail qu'on a fait à l'entraînement pendant cette préparation. Et puis je pense qu'on essaie de mettre des choses en place. Sur ce premier match, on a vu ce qu'on avait travaillé, comme je l'ai dit, tout au long de cette prépa. Donc faut continuer, faut travailler, il faut peaufiner les détails pour pouvoir marquer ce but. Et puis voilà, quoi. Les jeunes ont répondu présent, c'est prometteur pour la suite. Comment vous les avez vus tous ces jeunes? Ouais, c'est prometteur. Je pense que dès le début de la préparation, ils ont montré qu'ils avaient faim. Je dirais encore plus que l'année dernière. Et puis le coach a insisté aussi pour qu'on soit d'entrée tous ensemble, non pas seulement les jeunes, mais aussi les anciens et un peu moins anciens pour que on ait un niveau un petit peu plus élevé que la saison passée, parce que on n'a pas évolué à notre meilleur niveau la saison passée. Sur ce premier match, ça montre des intentions, il y a des choses intéressantes, mais il va falloir travailler pour pouvoir gagner des matchs. À titre personnel, ce poste de latéral droit, ça vous convient? Je l'ai déjà occupé dans le passé, bon, pas sur 2-3 matchs. J'avais une discussion avec le coach qui me voyait aussi pouvoir faire des bons matchs aussi sur ce côté. Donc voilà, d'un commun accord, on s'est dit que ça pouvait bien se passer. Et puis ça s'est bien passé sur cette préparation et puis on continue. De l'âme, sur cette rencontre, à la fin du match, est-ce que physiquement, vous n'étiez pas un peu en train de pêcher? Je parle de l'équipe, hein, bien sûr. C'était pas un peu dur, physiquement? Si, je pense que c'était un peu dur. Comme je l'ai dit, on a laissé toute notre énergie, je pense, sur cette rencontre. Mais ça s'est joué au mental, je pense qu'on a tout donné. C'est le premier match, on n'a pas encore toutes nos capacités au niveau physique. Et ça viendra petit à petit, on travaille bien l'entraînement. Le public, j'imagine qu'en tant que joueur, depuis le terrain, ça doit être agréable de retrouver un petit peu d'ambiance. Ouais, c'est clair, ça fait du bien. Ça donne de la force aussi pour pouvoir jouer, tout simplement, parce que sans public, c'est compliqué. Ils ont été présents, ils nous ont beaucoup encouragés. Et j'espère que ça va continuer tout au long de la saison.